Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre autiste gamer préféré et aujourd'hui on se retrouve sur SnowRunner, sur la map Michigan, au volant de mon Azov et de mon Western Star que je tracte juste derrière. Et aujourd'hui, je vous propose dans ce gameplay un nouveau contrat sur cette map. Le contrat, c'est du bois pour les ouvriers. Donc, on est actuellement ici et il faut livrer du bois au barrage de Smithville, si je prononce bien. Et on a ça de route que je pense que je vais emprunter. J'ai fait un petit repérage avant de commencer, hein, donc c'est pour ça que je pense que je vais passer par là. Il y a d'autres routes possibles, hein, on peut passer par le sud, on va dire. Il y a plusieurs possibilités pour ce contrat, mais le plus court sera passé par le haut de la carte, je dirais. Donc pour ce contrat, j'ai pris deux camions que je vais tracter en fait l'un après l'autre au fur et à mesure du parcours. Je vais les transporter en même temps. Donc le Western Star que je vais prendre, on va dire en... Le White Western Star, pardon, on va dire par derrière. Et là j'ai un Azov 64-131 qui me servira pour l'instant comme premier camion. Après je pourrai inverser, hein, on verra bien comment ça va se passer, mais je pense que dans un premier temps ça va commencer comme ça. Alors au niveau du parcours, je vais passer par ici moi. Personnellement je vais passer par là, c'est beaucoup plus court. Il y a juste ce petit passage là, qui va sûrement être un peu délicat, voire compliqué, mais j'ai deux camions quand même assez performants et que j'ai bien amélioré entre temps. Et sinon, par le sud de la map, il y a tout ça de route à faire, donc c'est un long détour, beaucoup plus facile, donc peut-être plus sécure pour le faire, mais beaucoup plus long. Donc je vais, on va dire, prendre le risque de passer par le haut de la map, enfin par le nord en fait, hein, pour faire court. Bon déjà, j'ai chargé le premier camion, il faudrait aussi que j'arrive à le sortir. On sent la différence, hein. Je me mets en vitesse lente pour profiter du blocage différentiel, parce que quand t'es en vitesse automatique, j'ai pas l'impression que c'est systématiquement activé. Il a le blocage différentiel de base, hein, il est toujours actif, mais en fait je ne sais pas vraiment s'il tourne même en vitesse auto. Je pense que oui, mais le mettre en vitesse lente, je suis sûr de profiter au maximum de cette option. Arrêter le moteur, et on prend l'autre et on le charge. Donc là en fait je vais vraiment prendre les deux camions en même temps pour dire de gagner du temps. Hop là. Ah il arrive pas à sortir. Il y a tellement de poids que j'arrive pas à ressortir si je mets pas le blocage différentiel. Ah c'est quand même dingue ça. Ça va le faire. Il est un peu lent quand même. Bon là je suis en vitesse lente donc c'est normal. Mais c'est vrai que quand il est bien chargé ce camion, il a quand même un peu mal à aller vite, hein. Là faut admettre que je suis bien chargé, hein. Ça paraît pas comme ça mais charger des longs troncs, c'est très lourd comme chargement. Donc il faut vraiment des camions bien puissants pour transporter ce genre de marchandises. Allez c'est parti. Donc là on commence le parcours. Je vais donc tracter l'autre camion en même temps. Donc on va faire, je vais faire en fait le parcours comme ça le mieux possible. Je pourrais peut-être pas rester comme ça tout le long du parcours à mon avis. Mais dans le meilleur des cas, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est bon, ça fera l'affaire. Il n'y a pas beaucoup de route, hein, le contrat n'est pas très long sur cette partie de la carte. Mais la carte d'après par contre, j'ai fait un petit repérage avant de commencer l'enregistrement, c'est un peu plus long. Il y aura une petite... entre guillemets séparation de camions, puisque c'est pour ça que je prends deux camions, puisqu'en fait on doit charger sur deux zones, on doit livrer pardon à deux zones différentes qui sont assez séparées les unes des autres, enfin l'une de l'autre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris deux camions, comme ça en fait arrivé là-bas les deux camions vont se séparer à un moment donné, l'un livrera le premier première zone et le deuxième va du coup livrer l'autre. C'est l'idée de pourquoi j'ai pris ces deux camions. Bon on va déjà voir si j'arrive à monter cette pente. Parce que la dernière fois que j'ai pris un camion sur cette pente avec le même chargement, ça a été un peu délicat. Du coup, je m'attends à la même chose. Puis là, je tracte un camion, donc ça sera forcément un peu plus compliqué, un peu plus limite. Bon, c'est pour ça que je mets le Azov devant, dans l'espoir que celui-ci est plus puissant que l'autre. Oh, j'entends le moteur qui hurle. Hein. Là, je suis en fond de première. Là, je suis en fond de première. Là, je suis en train de faire rugir le moteur.
Oh, le moteur il est en train d'hurler, il aime pas ça. Ah là c'est bon, je suis à l'arrêt. Bon, frein à main, pas de panique. On a tout notre temps. Je vais avancer un peu celui-ci si je peux. Ouais, ça avance pas du tout. Attends, on va mettre la vitesse lente, pas de panique. On a notre temps. Voilà, ça va un peu mieux. Faut pas paniquer, voilà. Tant que le camion n'est pas en train de se renverser, je ne panique pas. Je vais passer un peu devant l'Azov avec le White Western. Il arrive à monter, hein. C'est étonnant qu'il arrive à monter, hein. Je suis impressionné parce que quand tu vois le camion, il a pas l'allure d'un camion puissant et pourtant on fait de belles choses avec. Je vais l'avancer encore un petit peu. Hop là, voilà. Et on va reprendre l'Azov pour le faire repasser devant. Voilà, c'est bon. Maintenant qu'il tracte plus de camions, il peut avancer plus facilement. Oh là, c'est parce que je voulais attraper le camion, je voulais pas attraper l'arbre. Ça devait arriver, j'avais une chance sur deux pour que ça me fasse ça. Du coup, je prends le treuil manuel parce que je crois que je vais pas y arriver en fait. Hop, attends, je suis sur le mauvais point, voilà. Allez, Oïs, Oïs. Ah, il y arrive pas. Pourtant, j'ai allumé le moteur du camion de derrière. Hein. Ah, il y a trop de poids, ça veut pas. Ah, ça veut pas. Il y a rien à faire, ça veut pas. Là, hop, 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 hop. Doucement, doucement. Ne pars pas trop loin parce que là, c'est la catastrophe qui va nous tomber dessus. Ah, il veut pas, hein. Ah, il veut rien savoir. Il y a trop de poids. Bon, attends. Tant pis. Je sais ce qu'on va faire. Je vais ravancer un petit peu celui-ci. C'est peut-être la pente qui pose un peu problème aussi. Le cumul de la pente et du poids. Je vais l'avancer un petit peu. Je sais pas si je peux passer devant parce que là, c'est vraiment trop serré. Mais je vais l'avancer un peu pour dire de soulager l'Azov. Ah, mince. Je suis en train de toucher la remorque de l'autre. Ah ouais, non, c'est pas la peine, je n'irai pas plus loin. Bon, on va le laisser là. Et on reprend la manœuvre. Bon, c'est un peu délicat, hein. C'est vraiment limite hein, ce que je fais là, c'est pas très professionnel. Mais ça va aller. Je vais avancer un petit peu. Enfin, j'ai même une meilleure idée, je vais aller beaucoup plus loin. On va faire ça, c'est plus sûr. Je vais avancer un peu plus l'Azov. Et je vais récupérer le White Western tout seul. Je pense que ça sera plus simple pour remonter, pour finir ce qui reste de la pente. En fait, tout seul, les deux camions montent très bien la pente, mais quand l'un doit tracter l'autre dans une montée comme ça, c'est ce qui pose un peu problème. Mais sinon, les deux camions sont tout seuls, sont très très bien. Hop, arrêtez le moteur. Et du coup, je reprends l'autre. Hop. Ah, est-ce que je peux le faire en restant en vitesse automatique? Avec le treuil, ça passe. Ah, il peut... Il peut le faire... Ah, non. Ah non, je pensais. C'est sans le treuil, je peux pas. Là, je lance le treuil pour m'aider, mais c'est vrai que sans le treuil, je ne pourrais pas. Ouais, non, bah, ça veut pas, ça veut pas. C'est pas la peine. Allez, y a pas de honte, on utilise le blocage différentiel. Oh, c'est quand même génial ce truc, hein. C'est franchement génial, ça nous aide, ça nous sort de beaucoup de situations quand même. Ah, il paye pas de mine ce camion, mais il est quand même bien pratique. On se remet derrière et on reprend où on en était. Changer de camion. Donc là, si j'enche le treuil... Ah bah non, quand même, il m'a chopé une brindille sur le côté, hein. Il n'y a pas beaucoup de points d'ancrage, mais il m'a quand même chopé une brindille sur le côté de la route. Aïe, aïe, aïe. Bon, si c'est que ça comme problème, c'est pas grave. Je m'en contenterai largement. Vaut mieux ça qu'autre chose sur ce jeu. Donc là, c'est bon. Là, c'est... On reprend la route. On est sur de l'asphalte. Mais par contre, on arrive vers le cours d'eau. Et là, ça va être tendu.
Ça va être tendu. J'espère que j'ai pas fait une connerie en passant par là. Bon, les dernières fois que je suis passé par là, ça s'est plutôt bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça plante. Mais c'est vrai que c'est un passage du jeu assez, assez sensible. Ce que je vais faire, c'est que je vais les passer un par un, parce que là, deux par deux, ça va pas être possible, je pense. J'ai déjà eu du mal à faire la pente, alors on va pas faire prendre le risque. On va pas prendre le risque de les prendre à deux comme ça. Je vais passer en premier avec celui-ci. Et on prendra celui-là après. Ouais, c'est bon, je voulais vérifier que le moteur était bien éteint. Je sais jamais si le moteur se coupe quand on le lâche, donc je préfère le faire manuellement et c'est bon. J'ai réussi à passer avec des camions quand même moins performants que celui-là, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Mais ça va être un peu long, je pense. Pousser une branche là. Faut que j'évite de pousser trop de branches parce que elles vont me servir au cas où je dois lancer le treuil. Donc faire gaffe de pas trop pousser de souches parce que ça va me servir au cas où. Alors pour l'instant ça avance bien. Ça avance lentement mais à vrai dire c'est vraiment suffisant. Là je tente en automatique mais c'est pas bon. Hein. Je vais me remettre en vitesse lente. Parce que là, si je m'embourbe là-dedans, c'est vraiment pas facile d'en ressortir. Ah, j'ai beau avoir 8 roues motrices, ça a quand même du mal, hein. Ouais, ça avance quand même, hein. Je m'en plains pas, j'ai connu pire comme situation, donc ça va. Allez, plus vite, plus vite! Comme si klaxonner permettait d'aller plus vite. Ouais, ça me détend. Parce que là, mine de rien, si t'as aucune patience, tu peux vite t'énerver. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû s'énerver sur ce genre de passage. Bon, là, je suis presque arrivé au bout de la route. Ah, là, j'ai l'impression que j'ai un peu de mal, là. Ah, mince. Aïe, aïe, aïe. Ah, il n'y a pas de point d'ancrage. Ah, je suis bloqué, là. Ah, attendez, ça avance un petit peu encore. Un petit coup de treuil, peut-être. Tant que je bouge, c'est ça en fait. Si j'arrive à bouger un petit peu, c'est déjà une bonne chose. Même si c'est pas dans la bonne direction dans l'immédiat, mais au moins je bouge. Non, là par contre, c'est... Il m'a chopé une brindille derrière, mais là ça va pas. Ça m'aide à bouger un peu, mais c'est pas. Je vais à l'opposé de là où je dois aller. Ah, là c'est assez moche. Tu vois, ça c'est ce que. Là, tu vois, je suis en train de revivre un truc que j'ai vécu au tout début du jeu. Ça me faisait ça au tout début du jeu, quoi. J'étais vraiment à l'arrêt, quoi. Et ça, c'est vite angoissant. Surtout dans ce genre d'endroit. Ah, il me chope la brindille derrière, mais je veux pas la brindille derrière. Alors je m'en sers quand même pour dire de pas rester au même endroit. Mais là, j'aimerais choper le poteau qui est à côté, là, juste derrière. Mais je suis trop loin. Je vais essayer de dégager un peu la remorque. Ça entraîne le camion dans la foulée. Pour me remettre un peu dans l'axe de la route. Et je vais retenter la manœuvre. Alors, il me rechoppe la brindille derrière, hein, ça j'en veux pas. On met en vitesse lente. Ah, ça bouge un peu, hein. Je vais rester comme ça. Ah, ça peut vite être stressant, en fait, hein. Ah, ça avance pas des masses, hein. Ouais.
Ouais, il faut pas grand chose hein, pour se retrouver à l'arrêt. Hein. Ça se joue pas à grand chose. Ah non, je peux pas choper le poteau. Le poteau est un tout petit peu trop loin. Il me manque pas grand chose pour l'attraper. Si j'arrive à le saisir avec le treuil, je peux sortir. Non, je veux pas. Ah, il me chope un brindis derrière à hein, chaque fois. Ah là, ça veut pas, ça veut rien savoir. Bon, écoute, c'est pas grave. On va changer de technique. Je vais prendre l'autre camion. Je vais passer avec. Je vais tenter de le doubler. Déjà, je vais utiliser le premier camion pour tracter celui-ci pour sortir, arriver là-haut et arriver à la hauteur de la Zoff. Je vais passer devant et je me servirai du White Western pour sortir la Zoff après. Donc là, le but, déjà traverser cette zone et ensuite passer devant la Zoff. Ça va aller, faut pas paniquer. C'est vrai que ce genre de situation, si vraiment t'as pas de patience et que t'as pas envie d'attendre trop longtemps, c'est le genre de moment qui peut vite être angoissant, stressant, voire même agaçant. Faut dire ce qui est, mais faut pas paniquer. C'est pour ça que j'ai pris ces deux camions parce qu'ils sont quand même assez performants. Donc je m'inquiète pas trop sur ça. Ça va être un peu long, un peu chiant, mais ça va le faire. C'est quand même bien quand tu tournes le volant, tu peux voir les mains qui changent de position. Ça, c'est vraiment génial, ça. Le travail de ce côté-là est vraiment sympa. Ça, c'est. Quand j'ai commencé le jeu, j'ai vu ça tout de suite. J'ai rigolé la première fois que j'ai vu ça, je trouvais ça marrant. Puis c'est bien fait, hein, les mains, elles suivent quand même pas mal. Bon, c'est vrai que je roule pas souvent avec la vue du cockpit, mais il faut admettre que c'est bien foutu. Ah, j'avance quand même, hein. Depuis tout à l'heure, je suis en vue du cockpit et en fait, ça avance pas mal. C'est vraiment lent. Bon, je suis en vitesse lente, hein, donc c'est normal. Mais j'avance quand même. Ah, faut pas être pressé quand même, hein. Faut admettre qu'il faut pas être pressé, hein. Lancer le treuil un peu partout. L'idée c'est de m'aider à avancer le plus possible. Disons que ça donne un petit coup de boost au camion pour l'aider à avancer un peu mieux. Parce que là je suis un peu en galère quand même. Ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est bouger un peu les roues avant. Ça permet de faire comme un genre de zigzag avec l'avant du camion. Et ça permet de se dégager par moment. Ça peut aider, hein, ça m'a déjà permis de m'aider un petit peu dans ce genre de situation par le passé. Donc là, le treuil, il arrive sur une souche qui est dans l'eau. Donc je la vois même pas en fait. Hein, je lance le treuil automatiquement, ça me chope une souche dans l'eau. Il doit y avoir un arbre, j'imagine, dedans. Et ça m'aide à sortir un peu. Ouais, c'est le passage délicat, hein, ça j'avais dit tout à l'heure. C'est le passage un peu délicat. Mais j'avance, je me rapproche tout doucement du camion. Là, je suis un peu en difficulté là. Hein. Oh, niveau d'eau dangereux. Bah, je l'ai équipé d'une prise d'air extérieure. Ah, mais elle est presque dans l'eau elle aussi, c'est pour ça. Ah, j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe. J'y prenais pas garde. Voilà. Voilà, j'attendais d'arriver au cul du camion. Donc là, ça m'a aidé à sortir un petit peu. Il faut que je passe devant la Zoff. Une fois que je suis à sa hauteur, je le double. Je vais avancer un peu le White Star, le White Western Star, pardon. Et comme ça, je pourrais sortir la Zoff. Voilà, c'est bon. Ça va aller. On est presque arrivé au bout. Là, c'est le plus dur du parcours, hein. Une fois que j'aurai passé ça, le plus dur sera fait sur le trajet à faire.
Là, je vais arriver près du poteau et je vais lancer le treuil. Et une fois que je l'aurai chopé, ça sera bon. Encore un petit effort. Voilà. Et une fois que tu chopes le poteau, c'est bon. Tu vois le bout du tunnel. Tu sais que tu peux sortir. Voilà, ça c'est bon. Donc lui il est passé. Il n'y a plus qu'à sortir le deuxième. Je vais avancer un petit peu pour être sur l'asphalte, pour être en sécurité. Voilà. Ouf. Eh ben, je ne suis pas mécontent d'avoir réussi. Par contre, je suis un petit peu loin. Attends, je vais reculer un petit peu. Il faut que je me mette entre le poteau et le camion, on va dire à mi-distance. Voilà, ça devrait pas être trop mal. Ce qu'il faut, c'est que je chope le camion avec le treuil. Et voilà, c'est bon. Et ça va beaucoup mieux. Et voilà, il suffisait juste d'un petit point d'ancrage en fait. Vraiment, c'est ce qui manquait pour passer l'obstacle. Donc c'est finalement passé. Faut admettre que c'était un petit peu tendu par moment, hein, faut pas se mentir. Mais je suis passé, c'est bon. On a passé l'épreuve, je dirais pas haut la main, mais on l'a fait. Ouais, ça ralentit bien. Qu'est-ce qui se passe d'un coup ici? C'est quasiment plat. Pourtant, le moteur de l'autre camion est allumé aussi. J'arrive pas à avancer plus vite. Je suis en fond de première en fait là. Je suis en train de penser à un petit truc. Ah, la WD n'était pas activée. Est-ce que c'était ça le problème? Parce que je pense que quand tu le tractes comme ça, ça se désactive, on va dire. Mais dans le doute, là, il n'était pas mis. Je l'ai activé manuellement. Et là, je repars. Donc peut-être que c'était ça le problème, en fait. Il fallait activer la WD manuellement. En tout cas, ça avance mieux déjà. Voilà, ça roule un peu mieux quand même. Hein. Non, bah ça devait être ça peut-être, hein, la WD qui était désactivée. Et du coup, bah, j'arrivais pas à tracter l'autre camion correctement. Je sais pas en fait s'ils le mettent automatiquement quand tu le tractes en fait. Je n'ai pas la moindre idée. Alors si certains se demandent pourquoi j'ai pris ces deux camions là, parce que j'en ai plein d'autres, hein, j'aurais pu prendre d'autres camions peut-être plus adaptés pour ce type de parcours, de contrat. Mais j'ai pris ces deux camions là parce qu'en fait ils ont surtout deux gros réservoirs. Donc comme sur la route on ne croise pas beaucoup de points pour faire le plein, enfin là dans la carte d'à côté il y a une station pas loin donc je pourrais y faire un tour. Mais si jamais je devais passer sans faire le plein, bah, ces deux camions ont tous les deux de gros réservoirs, donc ils ont une bonne autonomie. Ce qui devrait du coup être, on va dire, très pratique pour ce genre de contrat, parce que il n'y a pas trop de routes en soi, quoique la carte d'à côté, il y a quand même pas mal de, enfin, y a quand même pas mal de routes à faire en fait. Mais surtout, la zone qu'on vient de passer, on a beaucoup avancé et on n'avançait pas très vite. Enfin, j'accélérais beaucoup, mais j'avançais pas très vite. Et du coup, j'ai pas mal consommé d'essence à faire des accélérations et à freiner tout ça. Donc, il fallait trouver des camions avec de gros réservoirs
D'une part pour tracter des charges, mais aussi pour passer ce genre d'endroits compliqués. Notamment la rivière que j'ai passée tout à l'heure. Je suis resté là-bas un bon petit moment quand même. Donc j'ai dû consommer quand même pas mal d'essence. Donc raison pour laquelle je tenais à prendre deux camions qui avaient une bonne autonomie. Et en plus le White Western ne consomme pas énormément, enfin il consomme quand même plus que, on va dire, une voiture si j'ose dire, mais par rapport à d'autres poids lourds dans ce jeu, le White Western ne consomme pas trop, il est quand même assez économe. L'Azov, ça va encore. Là, je suis autour de 6 litres par minute. Donc, il y a des camions qui ont un gabarit similaire qui consomment beaucoup plus. Donc, ce sont des camions qui ont un bon réservoir et qui sont quand même, on va dire, pas trop énergivores, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je les ai choisis. Hein. C'est principalement pour leur autonomie. Donc là on est au barrage Smithville, si je prononce bien. Bon, je vais avancer un petit peu et puis on va regarder un peu sur la carte. Ah bah non, il m'a chopé un arbre. Non, je veux pas l'arbre, je veux le camion. Attends, je vais recommencer. Ah, il veut pas le choper, attends. On va pas s'embêter. Travail manuel. Hop. Voilà. Alors, au niveau du parcours, que je me rappelle où il faut aller. Donc il faut déposer du bois dans la carrière et il faut déposer là-haut. Donc ça fait deux points assez éloignés les uns des autres. Donc il y a tout ça de route à faire. Bon là c'est que de l'asphalte donc je m'inquiète pas trop. Donc il y a un point là-haut. La route ici qui y mène, qui est assez tortueuse. C'est assez étroit, hein, ça va pas être facile. Et le barrage là-bas, c'est plus simple. Ouais, donc on va faire comme ça. Là, je mettrai les points de navigation et je vais les arrêter au niveau du carrefour, enfin du petit carrefour ici. Puisqu'en fait, c'est à ce point-là, au dernier point de navigation que j'ai posé, où les deux camions vont se séparer. Il y en a un qui va du coup à la droite et l'autre continuera tout droit pour aller à la carrière. Donc je vais commencer par livrer la carrière et je ferai du coup dans un deuxième temps le livrer à l'autre zone avec le deuxième camion. Bon, ça a un peu de mal, hein. Je me remets en première pour dire deux, mais... Ah, je suis sur l'asphalte, mais ça veut pas, hein. Je suis en fond de première, hein, je peux pas faire mieux là. J'essaie de gagner un peu de terrain en zigzagant avec l'avant du camion là. Ça a l'air d'aider. Oh, ça m'a l'air. Oh, ça ralentit encore. Ah, puis la pente est encore plus forte au fur et à mesure. Oh, je sens que ça va être compliqué là. Je vais devoir les monter un par un, je pense. Ouais, là ça ralentit encore. Hein. Je suis en train de faire. Là je suis en train de maltraiter le moteur en fait. Pour l'instant ça tient. Est-ce que ça va arriver jusqu'en haut comme ça? Ah, on y est presque, hein. Ah non, là ça va pas le faire. Non, là j'étais arrêté d'un coup. Non, là ça peut pas. Ok. Bon, on va pas insister. On va les faire monter un par un. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que quand tu libères l'autre camion, le frein à main se met automatiquement. Heureusement, parce que là je serai pas dans la mouise. Heureusement. Ah, ça monte beaucoup mieux tout seul. Hein.
Non, c'est vraiment le fait de tracter un autre camion qui fait. Ah, bah je sais. Hein. À mon avis, à tous les coups, il n'a pas activé la WD en passant le passage entre les deux cartes. Ça a dû, à mon avis, ça a dû se désactiver. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à monter. Bon, tant pis. Là, je suis arrivé en haut, c'est pas grave. On va les monter un par un. Donc à mon avis, la WD n'est pas systématique quand tu treuilles un autre camion. Voilà, on va se mettre ici. Frein à main. Et je récupère le White Western. Ah, il n'avait pas activé le. Je pense que c'était ça. Hein. Non, à mon avis, c'était ça le problème. C'est la WD qui n'était pas actif. Ah, il monte impeccable, hein, le. C'est un vieux camion, mais il tient le coup, hein. Ça paraît pas comme ça. Hein. Il paye pas de mine ce camion, mais il est assez, assez surprenant en fait. En termes de polyvalence et de puissance, il est quand même pas mal. C'est aussi pour ça que je l'ai récupéré, parce que j'ai quand même pas mal acheté de nouveaux camions. Donc j'aime bien conduire un peu mes nouveaux camions pour dire de m'en servir. Mais de temps en temps, je reprends ces vieux camions que j'ai au tout début du jeu et qui permettent quand même de faire ce genre de contrat. Bon, du coup, on va passer devant avec le White Western et l'Azov va suivre. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours le même qui soit devant. En plus, comme l'Azov est toujours en mode AWD, ça devrait peut-être m'éviter le souci que j'ai eu précédemment. Mais déjà, quand tu tractes, bah, je vais moins vite, hein. Là, je suis à fond, hein. Je peux pas faire mieux là. Mais avec le poids que je tracte, bah, en fait, je peux pas aller plus vite. Bon, il y a une descente qui arrive, peut-être que ça va m'aider. Ah, il commence à faire nuit tout doucement en plus, hein. Ça va pas plus vite, hein, même dans la descente. Hein. Bon, je pense que au fur et à mesure, ça va quand même donner un peu d'élan. Faut juste faire gaffe que l'autre me rattrape pas et me pousse pas, parce que là, ça va déséquilibrer la machine. Mais j'essaie de gagner un peu de vitesse quand même. Mais pas trop vite non plus, parce que là, autant c'est de l'asphalte, donc c'est stable. Mais dans ce jeu, il faut pas crier victoire trop vite, hein. On peut vite perdre sa cargaison sans s'en rendre compte. Ouais, j'avance lentement. J'aimerais bien aller un peu plus vite quand même, mais je peux pas faire mieux. Oh, je vais passer à côté du poteau, ça va être juste là. Ah, il va toucher là. Ouais, il va toucher. Ah, oh, bah dis donc. J'ai cassé quelque chose? Oh, attends. On va éviter de casser autre chose encore plus. Petite manœuvre. Je m'attendais pas. Bon, je l'ai pas beaucoup endommagé, donc ça va. Mais ça serait dommage de casser davantage. Voilà, ça fera l'affaire. Et on reprend où on en était. Hop là. Heureusement qu'il n'y a pas de chronomètre, hein, parce que là on peut dire que niveau vitesse, c'est pas flèche bleue, quoi, comme dirait l'autre. En même temps, c'est pas un jeu réputé pour aller vite, mais c'est vrai que j'aimerais bien rouler un peu plus vite quand même. Voilà, un peu plus loin, c'est la route goudronnée, donc peut-être que ça ira mieux. Là, il y a le point de navigation qui est devant moi, là. Et si vous voulez, c'est là que je vais séparer les deux camions. Donc du coup, ça roulera un peu mieux. Tranquillement, on va dire. Bon, je vais commencer par la carrière. Je vais du coup livrer à la carrière avec le White Western. Et je vais laisser l'Azov en chemin pour livrer à l'autre point de livraison. Attention ici, c'est un peu
Espérons que l'Azov va pas se planter dans la boue. Ah ouais, j'ai un peu de mal, hein. J'arrive sur l'asphalte, ça va aller un peu mieux. Mais là, j'ai eu un petit moment d'hésitation, hein. C'était limite. Ah oui, ça va déjà beaucoup mieux. Au niveau de l'essence, je suis à la moitié. Bon, ça devrait suffire pour le White Western. Je regarderai pour l'Azov si j'ai assez pour le reste de la route que je vais faire avec. Bon, c'est ici que les camions se séparent. Donc la route qui est à droite, c'est ce que je vais prendre tout à l'heure. Hop, oula. Oups, oh, non mais dites donc derrière. Doucement. C'est vrai que le frein à main s'active pas systématiquement. En tout cas pas assez rapidement. Le temps que, avec la vitesse, il a continué d'avancer. Donc c'est bon, l'Azov, il est là. L'essence, c'est bon, je suis à la moitié. Et du coup je continue avec celui-ci. Alors, au niveau de la route, bon ça va aller, mais je vais quand même mettre mes points de navigation. Il commence à faire sombre, donc ça va être utile. Alors, la carrière c'est un peu délicat à chaque fois, mais vu que j'ai une remorque assez longue, il faut que je fasse un grand tour. Je peux pas couper, je peux pas passer au milieu directement. Il va falloir que je fasse une sorte de grand tour, je pense. Attends, comment je vais m'organiser? Pas évident, hein. Attends, il faudrait que je fasse comme ça. Ouais, je vais faire... Attends, ouais, je vais essayer quand même, parce que... je pense peut-être pouvoir quand même passer par le... Il y a comme une sorte de virage assez serré. Ça peut quand même le faire. Si j'y vais doucement, ça peut le faire. Ah, ça roule déjà beaucoup mieux, hein. Ça fait quand même plaisir. C'est quand même agréable parfois de pouvoir rouler tranquillement sur ce jeu, hein. Faut pas non plus toujours avoir des difficultés. Commence à faire bien sombre, hein. Je pense que je vais continuer de nuit. Bon là je suis déjà dedans en fait, hein. C'est déjà bien assombri. Bon, je pense que je vais continuer le contrat de nuit, hein. Je vais bien voir un petit peu tout à l'heure, parce que l'autre parcours à faire avec pour livrer à l'autre pour livrer au site de forage, donc l'autre endroit, c'est assez sinueux, donc de nuit ça va pas être évident. Donc je vais peut-être passer deux jours manuellement. Là, je peux rester de nuit, c'est pas un problème. Ah, j'avais oublié que j'avais un petit réservoir ici, tiens. Hop là. J'ai oublié que j'avais ça ici, tiens. La petite remorque scout. Je viens de la voir, j'avais complètement oublié. Bah écoute, j'ai bien fait de la poser ici. J'avais complètement zappé que j'avais ça ici. Bon, je joue la sécurité, hein. Je pense que le plan était pas forcément nécessaire. Mais vu qu'il fait nuit, et au cas où je me suis mal engagé sur le... Enfin, dans la carrière, bah, au moins comme ça j'aurai ce qu'il faut pour manœuvrer avec le camion. Il n'y a plus qu'à creuser les doigts pour que ça passe. Ce qui est excellent, c'est que t'as un point de lumière dans l'obscurité et c'est là où je dois me rendre. Du coup, tu sais exactement où tu dois aller. Ça, c'est original, ça. Mais c'est bien, au moins tu situes où il faut aller en fait. Oula, oula, par contre, ah, aïe aïe aïe, attends, marche arrière. Ouh, là j'ai pas fait gaffe. Là c'est le coup à se renverser. Faut passer légèrement sur la droite, parce qu'ici c'est dangereux, ça penche. Et là c'est même un peu juste. Ah, c'est bon. Ah, j'étais en train de regarder le truc en bas et du coup j'ai pas fait gaffe à la route devant. Et j'ai failli me faire avoir. Là en fait, bon là il fait un peu sombre, donc si vous avez pas bien vu... Il y a comme une sorte de petit creux. Et en fait la route penche vraiment sur la gauche. Et avec ce chargement là je risquais de me retourner en fait. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté. Et marche arrière pour me remettre un peu plus à droite. Pour éviter on va dire l'accident.
Mais ouais, sinon j'ai failli me faire avoir. Hein. Faites attention, vous, quand vous serez là, si vous n'êtes pas encore passé. C'est assez chaud. Alors là, par contre, c'est là que ça va être tendu. Parce que là, il y a un virage serré. Est-ce que je peux passer par là? Parce que là, en fait, soit je continue, je fais un grand tour. Mais. Je vais voir un petit peu ici. Ah, c'est chaud. Hein. Non, je vais faire la sécurité. On dirait qu'il y a un passage par là. Je vais regarder un petit peu une fois arrivé là-haut. Mais là, le virage directement à gauche, là, c'est pas la peine. C'est trop serré. Je risque de perdre la cargaison. On est presque arrivé au bout, donc on va pas faire les fous. Ah ouais, non, c'est pas. Non, non, bah c'est mort. On fait le grand tour. Alors c'est trop dangereux, tu vois la gueule du terrain, toi. Bon, c'est assez sombre, je sais pas si vous verrez bien, mais moi je le vois très bien et là c'est pas la peine. Ah, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Pour le peu de temps que je vais gagner, c'est pas la peine de prendre ce raccourci-là. Avec un autre camion et un autre chargement, j'aurais pu le faire, mais là non, c'est pas la peine. On continue la boucle. Et puis ça sera bon. Ouais, ça va aller comme ça. De toute façon, on n'a pas trop le choix, on est arrivé en bas, donc je peux pas trop faire marche arrière. Hop, alors là ça va être un peu limite quand même. Ouais, là je suis en train de déplacer des rochers. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Voilà. Ouh, et ben je suis bien content d'arriver. Hop, ça c'est fait. Première étape terminée. On éteint le moteur et on récupère l'autre survivant. Voilà. Alors, petit point. Avant d'aller plus loin. Hop. Là, la route est très sinueuse. Donc là, je vais mettre plein de points de marquage. Enfin, de points de navigation. Et puis, ça sera bon comme ça. Ça suffira largement. Et on va aussi passer en heure de jour. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, ça fait du bien. Ça sera quand même plus pratique parce que le parcours là est très sinueux. Il y a des passages assez étroits. Donc, je préfère passer deux jours. Ça sera beaucoup plus agréable comme ça. Ça va être un peu limite quand même, hein. Je suis déjà passé par ici. C'était limite, limite. Donc on va faire attention. J'ai suffisamment d'essence. Ouais, je suis à la moitié du réservoir, hein. Ça devrait être suffisant. Espérons-le, croisons les doigts. Mais ouais, ça devrait être bon. C'est pas un terrain spécialement difficile, mais c'est un terrain quand même. Oh, attendez. Il y a un truc qui m'a arrêté. Je sais pas quoi. Le terrain est assez accidenté, hein. Je vais user l'Utreuil. Ah, c'est bon, j'ai débloqué par un rocher. Ouais, le terrain est assez penché ici aussi, hein. Attends, je vais mettre l'Utreuil comme ça pour éviter de se retourner. Ça passe. J'ai déjà fait ça, donc c'est pour ça que je sais que ça marche. Très pratique. Alors, voilà, c'est bon, on y va doucement. Il n'y a pas de raison d'aller vite. Et comme ça, je profite de la physique du camion sur le sol. C'est vraiment très bien fait. Ah, c'est agréable de voir les roues qui bougent comme ça. C'est vraiment très bien foutu la physique de ce jeu. Hein. C'est vraiment génial. Hein. C'est très, très réaliste. Hein. C'est presque agréable à regarder en fait. Bon, là, c'était un passage un petit peu limite. Il y en a un autre un peu plus loin où c'est assez serré. Là, il faudra faire attention aussi. Là, je crois qu'il y a un petit pont pas loin d'ailleurs. Si je me souviens bien. Parce que ce passage-là, je m'en souviens bien. Je suis déjà passé plusieurs fois. Ah non, c'est pas encore ici. Ah ouais, ah, voilà, c'est ça. Le passage étroit que j'évoquais tout à l'heure.
Alors le camion va passer, mais c'est la remorque qui va peut-être poser problème. Voilà, là c'est très juste, hein. Faut pas être trop gros, hein. Ah bah voilà, je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Ah bah c'est passé. Ah bah ça va finalement. Oh bah je m'attendais pas à passer si facilement. Et bah tant mieux. Ah bah si le pont est juste là. J'étais pas loin en fait. Donc là faut bien se placer. Faut bien se mettre au centre. Hop là. Il faut faire gaffe à l'arrière de la remorque si elle suit bien. Voilà, l'avant c'est bon. Et le deuxième. Ouh, j'avais oublié. Voilà, tout doucement. Faut vraiment pas aller vite ici, hein. Faut vraiment prendre son temps et bien passer. Et voilà, c'est bon. Là, si tu fais pas gaffe au niveau des deux petits ponts, bah en fait tu te retournes, tout simplement. Donc, faut vraiment aller doucement ici, hein. C'est vraiment pas la peine de se presser. Attends, la route, c'est à gauche la route là? Ah oui, c'est ça. Oh la vache. Ah ouais, c'est vraiment accidenté par ici, hein. Ah oui, c'est ça, le marqueur est ici. Je le voyais même plus, toi, je faisais même plus gaffe. Je faisais surtout gaffe à pas faire d'accident. Enfin, en tout cas, de pas me retourner parce que là, le terrain est vraiment dégueulasse, hein. Je suis quand même bien content de passer ici avec l'Azov, hein. À mon avis, avec le White Western, ça aurait peut-être été plus compliqué. Bah, c'est un peu du hasard parce que, comme au début, j'avais l'Azov en premier, et bah, finalement, je suis peut-être bien content de faire ce passage-là avec l'Azov, qui devait donc se faire, on va dire, initialement avec le White Western. Hop là. Voilà, faut juste prendre son temps. Heureusement que je suis pas trop épais, hein. Le camion est long, mais il est pas trop large, donc ça va. Parce que j'avais hésité à faire ce contrat avec le Pacific P16, mais il est assez large quand même. Donc peut-être qu'ici, ça aurait posé problème. Ça aurait pu aller pour aller à la carrière, mais passer par ici, je me demande si c'était pas un peu compliqué. Ah, oula. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a un petit creux. Bon, rien de bien méchant. Hop, je chope. Ah, impeccable. Je voulais choper l'arbre, c'est bon. Ah, oula. Qu'est-ce qui se passe? Un petit moment de fatigue? Il y avait un petit moment de... Bon, un petit moment de fatigue peut-être. Hop, hop. Oh le rocher. Oula, qu'est-ce que tu me fais là? Hey, je l'avais pas vraiment vu, toi. Enfin, je l'avais aperçu, mais je m'attendais pas à ce qu'il m'arrête comme ça. Enfin, c'est vraiment impeccable dans la boue, hein. L'Azov est quand même pas mal, hein. Je me le suis offert, enfin je me le suis acheté, on va dire, enfin ouais, je me suis offert, on peut dire ça comme ça, parce que j'avais envie de l'essayer, et c'est vrai qu'il est pas mal. Ça fait, il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté, hein, donc je le découvre encore un peu, mais c'est vrai que les 8 roues motrices, avec les 4 roues avant qui sont directionnelles, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, on y est presque, on a presque terminé, et ce sera donc la fin du contrat. Eh ben, je suis bien content de l'avoir fini, parce que ça a pris plus de temps que je ne le pensais. Mais ça s'est quand même globalement bien passé. On va couper quand même un petit peu à travers champ, pour dire deux. Bon, niveau de l'essence, c'est bon, hein. J'ai encore 114 litres, ouais, c'est ça, donc c'est bon. J'ai pas fait le plein avec ce camion, donc il y avait largement assez. Donc j'ai fait un bon choix. Déjà au niveau autonomie, j'ai bien calculé mon coût. Et voilà, on y est. Frein à main. Et on décharge. Contrat accompli. 9600 devises. Ah, c'est déjà un peu plus intéressant que le contrat précédent. J'en avais marre d'être à 2000 ou 3000 à chaque fois. Bon,
Et ben voilà, ça c'est fait. Je suis bien content de l'avoir fini. Hop, on arrête le moteur. Et sur ce, le contrat est donc terminé. Le gameplay aussi. Sur ce, bien moi, il me reste à vous dire à plus à tous. Si ce gameplay vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et il me reste à vous dire bon jeu à vous. Et pensez à vous amuser.